Bonjour Eliana, voilà on m'entend. Très bien, bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Exactement. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est en même temps un sujet d'actualité surtout, d'une petite fille qui s'appelait Rachel Mintz. Alors, Rachel Mintz, elle... oui, tout va bien. Une petite fille qui s'appelait Rachel Mintz, qui a grandi en Pologne dans les années 30. Et surtout, eh bien, elle était dans une école, ce qu'on appelait les gymnasiotes. Ces écoles, d'accord, vous savez, ces lycées qui étaient où on enseignait l'hébreu. Où l'hébreu était En Pologne. Donc en Pologne, il y avait énormément de... Il y avait entre autres la célèbre chaîne d'écoles Tarbout, d'accord, où on enseignait tout en hébreu, mais tout, hein, la géographie, la biologie, donc c'était des... C'était Après, le c'était importé en Israël, parce qu'on a aussi des gymnasiotes voilà, alors justement, à Jérusalem. Voilà, c'est, et à Tel Aviv, il y en avait aussi. Mais l'idée, c'était vraiment de préparer presque ces jeunes le retour à cette identité, d'accord, hébraïque et leur permettre plus tard de venir s'installer en Israël. Et donc, dans ces années-là, dans toutes ces écoles, entre autres, ce qu'on organisait beaucoup, c'était des relations épistolaires. Donc, les jeunes enfants envoyaient des lettres. Et donc, cette jeune Rachel Mintz, qui habitait dans la ville de Zwierza en Pologne. Voilà, ne me demande pas exactement dit. Où c'est. Voilà, je travaille mon polonais. elle a envoyé donc ces lettres aux jeunes de la ville en Israël. Et donc, elle avait donc, si je me souviens, c'était au gymnasia de Herzliya. Et elle envoyait donc des lettres où elle raconte un petit peu ce qu'elle vit. Alors, c'est très intéressant parce que donc on a toutes ces lettres et c'est en fait puisqu'on a retrouvé ces lettres dont je vous en parle aujourd'hui. Et elle raconte en fait ce qu'elle vit. Elle raconte l'antisémitisme. Elle raconte, d'accord, la façon dont les Polonais, les enfants polonais les attendent à la sortie de l'école pour les tabasser, les traiter, ah, de sales, oui, juifs. Donc il y a vraiment, et au fur et à mesure, c'est donc il y a plusieurs lettres et donc ça va sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On commence à en fait à se rendre compte de la montée. C'est un témoignage en fait. C'est un témoignage de ce qui très se important passe en Pologne. Alors ces lettres ont été retrouvées par un monsieur qui s'appelle Dudi Silberschlag. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. C'est le papa de Meller. Mmh. Voilà. Oui, enfin... Disons que son papa est connu en lui-même. Pour lui-même, voilà. Hein. Il a fait quand même pas mal de choses dans une association très connue. Voilà, donc Meir Panim. Et Dudi Silberschlag, donc, aurait retrouvé ses lettres dans un marché aux puces et a décidé de les vendre aux enchères dans une maison de vente aux, d'accord, enchères qui s'appelle Destiny. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, il y a eu un petit scandale autour de ça puisque la famille... Alors que cette jeune fille, j'ai oublié de le dire, cette petite fille, à l'âge de 11 ans, a été déportée à Auschwitz. Il est morte. Donc, c'est la seule chose qui reste de son histoire. Et en général, ce genre de documents, on ne les vend pas aux enchères, on les dépose à Yad Vashem ou dans un musée, dans les archives, des archives nationales qui tournent autour de la Shoah. Il se trouve que Dudi Silberschlag, il fait partie des personnalités qui sont au bord de Yad Vashem. Donc, c'est un petit peu bizarre qu'une personnalité qui est au bord de Yad Vashem... Et comment ces lettres sont arrivées à lui, c'est... Alors, lui, ce qu'il dit, qu'il a fait... ça lui est arrivé à plusieurs reprises de faire les marchés aux puces ou de vérifier quand les gens vendent des choses, des tas de vieux papiers, de regarder ce que c'est. Il a trouvé ce tas de vieux papiers, il l'a acheté et puis ensuite, quand il s'est rendu compte de ce que c'était, il a... Destiny, c'est une des... Si je ne me trompe pas, il y a deux ou trois... il y a FN et Destiny, c'est des maisons de vente aux enchères, tout ce qui touche à l'histoire juive, non pas spécialement la Shoah, mais l'histoire juive. Et donc, il a décidé de les vendre. Et à ce moment-là, les descendants, ou c'est pas les descendants, c'est la famille éloignée, mais qui est encore en vie, quand elle s'est rendue compte de cela, elle a demandé à ce que les lettres soient retirées de la vente. Silberschlag a refusé, puisqu'il a dit... je les ai achetés, donc je veux les vendre. Et donc, il y a eu en express hier un débat au tribunal. D'accord. Et après ce débat au tribunal, le tribunal a décidé donc qu'on retirait les lettres de la vente et que Silberschlag et la famille devraient en fait arriver à un accord entre eux pour, d'accord, savoir comment est-ce que ces lettres, la famille les récupérerait. La famille, elle a demandé tout simplement à ce que les lettres soient données ou à Yad Vashem ou à, d'accord, des autres archives, musées qui touchent. Il y a plusieurs musées qui parlent de la Shoah en Israël. Il y a le
cramé à Guetaot, ouais. À côté de Ashdod, il y a un autre. C'est la décision qui a été prise par la décision. Donc ça, c'est une décision qui a été prise il y a 18 heures, pour être précise. donc on est encore dans le journal. C'est de l'actualité aujourd'hui, voilà. Peut-être un peu plus que de l'histoire, mais c'était important pour moi de en parler pour deux raisons. D'abord, parce que raconter l'histoire de cette petite fille qui aurait été oubliée. Je ne sais pas si vous avez vu sa photo à l'écran. Cette petite fille donc, qui est décédée à l'âge de 11 ans, Rachel Mintz, qui avait d'autres rêves, qui avait le rêve, qui parlait déjà hébreu, imaginez-vous. Nous, au Lim, des fois, on a du mal à parler hébreu. Déjà, elle parlait mieux hébreu. Et ensuite, c'est important elle de savoir... Elle avait une belle écriture. Une belle écriture. Elle écrivait en hébreu. Elle raconte vraiment tous. Et puis, surtout... Ça mériterait de faire un livre de ça. Et voilà. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est la façon dont on avait ces relations épistolaires, où c'est toutes ces écoles qui ont été complètement décimées pendant la Shoah, où les gens parlaient hébreu couramment. Très bien, très très intéressant. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir. Bonne journée. De même. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.